Et bonsoir tout le monde, c'est Darkyvan, j'espère que vous allez tous très bien. Et on se retrouve pour un nouvel épisode de Momomomoluction en compagnie, eh bien, de Gigi, bonsoir. Bonsoir. Finalement la fibre après 4 mois et demi, non. Le 14 janvier, hein, le 14 janvier la fibre hein, quand même. Là, ça a pris du temps, mais ouais. Tu es connecté. C'est ça, demandé depuis le 22 novembre. Ah ouais, quand même, hein. C'était un peu le tryhard. Mais on l'entend bien, il n'y a plus de bugs, tout va bien, c'est beau, la connexion, tout ça, c'est magnifique. Ah, tout ça, tout ça. Nous sommes également en compagnie de Caillou, bonsoir. Non, c'est pas vrai, je viens d'aller visiter au cinéma. Et salut Caillou, on a des objectifs finalement. Atlantica viendra un peu plus tard pour ce soir, voilà. La dernière fois, on avait fait notamment l'Inferium. Vous vous rappelez, on avait fait des grosses farms avec les Garden Cloches. On en avait fait plein et Caillou a continué de développer évidemment les Garden Cloches avec les graines d'Inferium. Hein, rappel, hein, donc les Garden Cloches. Quoi ? Je ne vois pas de quoi vous voulez dire. Moi, je ne farme pas, je suis totalement innocent. Et bien sûr, bien sûr. Donc, on a les Inferium Seed, on les a tous montés tier 5 depuis. Hein, évidemment, Caillou les a fait passer avec la Dirt, voilà. Donc, ça continue de farm, évidemment, à fond. Hein, c'est le truc qu'on a fait, hein, qu'on avait fait, parce que j'avais dit que je voulais que ce soit opérationnel pour la suite. Autre chose, avant de partir, si vous vous rappelez, j'avais demandé à Caillou... On avait été chercher des Wither pour aller récupérer des étoiles du Nether. Pourquoi on a fait ça ? Parce que on avait créé notamment une farm à étoiles du Nether. Alors je sais plus où elle est d'ailleurs, on avait créé un Crux. Vous savez, je sais plus où elle est. Hein ? Comment ça une farm à étoiles du Nether ? Bah juste tu sais, on a été... Les graines ? Oui, les graines. Alors voyons. Je sais plus où elles étaient, on les avait placées quelque part à un moment. Voilà. Donc on avait fait la Nether Star Crux. Et donc, il y en a une deuxième quelque part. Hein. Voilà. Et donc, elle pousse par contre seulement avec les blocs de Nether Star. Donc voilà, on les avait fait. Mais vous savez qu'on n'avait pas encore. On n'avait pas suffisamment pour pouvoir le faire la dernière fois. Et donc, pourquoi on les avait fait ? Parce qu'on avait besoin d'étoiles du Nether, notamment pour le Void Miner. Donc, ensuite, vous vous rappelez, on avait mis en place des petits crafters. Et ensuite, Caillou, eh bien, il a fait la suite. C'est marrant parce qu'on dirait un petit jeu de casse-tête. Hein, on peut voir juste ici, regardez les essences qui passent dans les crafters, hein, et qui s'assemblent au fur et à mesure pour donner des fragments d'étoiles du Nether. Il y en a plein, évidemment, et ensuite il suffit d'en mettre 3 pour obtenir une étoile du Nether. Autant vous dire que des étoiles du Nether, on en a eu plus de 700, 800, enfin quelque chose comme ça. Là, on est redescendu parce qu'on en a utilisé, mais voilà. Donc après, les autres, évidemment, hein, les assemblements de toutes les essences. Tu les as foutus dans la plaid. Hein. Ouais, tu les as mis dans le plaid, mais on va les voir après. Dans la plaid, il y a 3 stacks ici. Ah oui, d'accord, oui, c'est pour ça. Donc vous avez toutes les essences, évidemment, qui ont été récupérées par les Inferium Seed. Hein, il y en a plein, évidemment. Donc certaines, on les a pas mis en craft parce qu'on n'en avait pas forcément besoin. Les autres, on les avait fait, notamment par exemple le crafter pour tout ce qui était le Star Metal Ingot, puisque ça va nous servir pour réaliser l'Ultimate Crafting Table, donc ça, ce sera très utile. Le Flux, ça c'était pour Applied Energistic, et d'ailleurs Applied Energistic, comme vous pouvez le voir, a été mis en place. Hein, Clem donc est passé pour pouvoir mettre des disques durs, etc. Donc ça y est, nous avons désormais accès à bon Simple Storage, mais maintenant Applied Energistic avec des disques durs bien poussés, bien pétés. Voilà, donc on a un peu tout ce dont on aurait besoin évidemment sur ce magnifique mur et ailleurs. Hein, évidemment pas que ici, hein, donc voilà, tout est connecté déjà. Ici on a pas mal de choses qui mixent un petit peu du Simple Storage mais aussi les autres, donc voilà. Et donc ça a donné naissance évidemment à des tiers supérieurs. Alors celui-là je sais plus lequel c'est, ça c'est le tier 3, et là juste ici on a hop le tier 5, hein, qui consomme donc 1000 FE par tick, hein, qui a été réalisé d'ailleurs. Ouais, tier 5 plutôt sympathique. Et ensuite on a, si je dis pas de bêtises, ça c'est le tier 6. Le tier 6, voilà, qui consomme 11872 FE par tick. Voici. Alors, donc. La différence, c'est que lui, je lui ai foutu les modifiers que j'avais avant mis sur le. Ah, du coup, il consomme beaucoup. Donc, ouais. Il consomme plus avec les modifiers. T'as mis du luck, t'as mis du accuracy, d'accord, et du speed modifier ici. Et puis, on peut encore en rajouter là, hein, d'ailleurs. Oui, il y a encore de la place, c'est juste que c'est compliqué à faire le modifier. Ouais, c'est un peu long. Donc, voilà. Donc, on a atteint, ça y est, l'objectif du ore miner tier 6. Hein, c'était un peu l'objectif, voilà. Bon, après, vous avez vu comment ça fonctionnait. Hein. L'idée, c'était surtout de farmer énormément de cristaux avec les lens spéciales. Donc voilà, bon, ça a été fait. D'ailleurs, t'as mis des lens encore pour du diamant, là, non ? C'est ça ? C'est la scie. Oui, la dernière, c'est le diamant. Ouais. C'est sympa, le diamant. Ouais, bon, après, on n'a plus trop besoin, mais bon, voilà. En termes de panneaux solaires, alors, il me semble qu'on a que le tier 5. Le charbon, ça bloque la machine, ça me suffit. Ah, t'as fait le tier 6 ? Non, c'est du 4. 5. Ouais, non, t'as fait jusqu'au tier 5. Il gère combien le tier 5 ? J'ai pas regardé. Regarde en dessous, il y a un accès. Attends, mais j'en vois un petit là ici. Et merci Peck pour ton 36e mois d'abonnement. GG. Mais attends, le 36e mois, c'est les 3 ans ça. Et Betofto qui fête son 23e mois d'abonnement. Merci pour ton soutien, Betofto. Et Pégase
qui lâche du coup 5 subs. Merci beaucoup pour les 5 subs offerts, Pégase. Merci beaucoup pour le soutien. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Merci. Oui, quoi? C'est par là. Oui, pardon. Je remerciais du coup, je regardais pas du tout le... je regardais pas du tout le jeu, je remerciais. Merci beaucoup, Pégase, encore. Pour le soutien, merci à toi. Il arrive à pas me suivre en plus. Hein. Attends, je regarde tous ceux qui consomment. Là, il y a le contrôleur tier 4 qui fournit 33 000. Ah, le tier 4 fournit 33 000 quand même. Hein. Ah non, mais ils sont violents. Et GG Agouzi qui fait de ses 1 an. Et le tier 5. Oh, 148 000. Ah oh, ouais, mais attends, c'est insane. Ah non, c'est ultra violent. Donc je vais faire le tier 6 quand même. Ah, le hein, tier 6 va fournir des millions en fait. Le seul problème qu'on a, c'est pas tant la production d'énergie, c'est surtout le fait de la stocker pour que ça dure la nuit. Quoi. Ah oui, c'est tous les trucs qu'il y avait de Simple Storage qui ont un petit peu migré. Notamment, on va aller regarder Applied parce qu'effectivement, Applied maintenant, ça. Donc ça, c'est Clem qui a farmé ça. La dernière fois, vous vous rappelez, on lui avait mis en place sa farm de silicone. On lui avait mis sa farm de Flux Crystal. Et donc tout ça lui a permis donc de continuer de farmer aussi en off. On a accéléré les choses parce que c'est des trucs qui sont un peu barbants, puis vous connaissez quand même vachement bien. Donc voici les disques durs remplis qui sont que des disques durs de 64 000. Ah, donc ça prend du temps, c'est pour ça qu'on n'a pas mis Applied tout de suite, parce que généralement on aime bien y aller avec beaucoup de ressources. Donc voilà ce qui a été fait un petit peu en off, mais grâce aux farms en Ethereum avec Mystical Agriculture, ça va 10 fois plus vite. Évidemment, donc voilà. Ah, il n'est pas rempli encore, il en manque 4 juste ici. Mais il y a déjà largement de quoi faire en termes de ressources. Et du coup, on va pouvoir aller voir aussi sur l'interface maintenant, puisqu'on est sur Applied. Ah oui, j'étais en mode, pourquoi tu montes? Mais oui, parce qu'on a un jetpack. Un jetpack qui est très pratique, évidemment. Attends, je regarde. Si, on a la matrice induction. Elle est là. Si, on peut la faire, c'est juste que... Bah, juste flemme. Ça sert pas à grand-chose, quoi. Juste flemme pour l'instant, parce que la consommation d'électricité, pour l'instant, on n'est pas du tout en dèche. Hein. Je crois qu'on en a vachement trop. Donc, les buffers arrivent à tenir la nuit. De ce qu'on utilise, hein, clairement. Ah non, parce que je sais pas si vous avez vu, mais les ore miners, du coup, consomment... Vous avez vu, hein, le miner tier 6 consomme 11 872. Le panneau solaire tier 5 fait 158 000 par tick. Je sais plus combien, mais c'est 100 000, quoi. On passe de... C'est 10 000 versus 11 000. Il est 10 fois plus puissant. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre 10 ore miners. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui consomme autant dans notre base. Hein. On a très peu de consommation, en vrai. Hein. On avait une turbine jusque-là, mais bon, maintenant, elle est carrée totalement par les panneaux solaires. Hein. Les panneaux solaires... Elle continue de tourner, d'ailleurs. Elle continue de tourner, ouais. Donc, non, on a plus de problème d'énergie. Actuellement, l'énergie n'est plus un problème. Vraiment pas. Donc ça, c'est cool. Ça va plaire à EDF, la facture. Oh, m'en parle pas. En plus, elle augmente. Elle augmente, là. 30% on a pris encore. Hein. Merci ministère des gros missiles pour ton 16e mois d'abonnement. Salut, comment ça va? Moi je stresse car j'ai appris la semaine que mon frère et ma mère sont positifs au Covid. Ça se transmet beaucoup en ce moment mais il est moins dangereux. Mais courage à toi, j'espère qu'en tout cas ce sera pas grave et que tu y échapperas aussi. Courage à toi. On n'a jamais été en dèche. Hein. Mais avant qu'on mette les panneaux solaires, on n'était pas en dèche hein, déjà. Hein, donc en fait, on n'a jamais eu de soucis d'énergie. Hein. Nous, depuis le début, on n'a jamais eu une trop grosse consommation parce qu'on avait la steam turbine qui avait des réservoirs de steam. Donc en fait, on a des buffers de steam qui sont déjà assez... Regardez. Et là, le steam, juste là, voilà, on a 19 000 buckets de steam qui vont dans la turbine, qui fournit déjà avec un alternateur, évidemment, ça c'est une des premières qu'on avait fait. Donc celle-là déjà, elle n'était jamais vidée. Puis ensuite, on a eu tous les solar arrays, etc. qu'on a utilisé, donc on n'a jamais eu de problème. Donc voilà. Donc on a Mystical Agriculture, ça tourne à balle. Il y a Caillou qui a commencé à s'occuper notamment des farms de mobs. Alors, les farms de mobs, vous savez, c'est le chunk. On peut récupérer du chunk, vous savez, ces petits morceaux là, tier 1 chunk. Il fallait une Sulium Dagger pour récupérer des mobs chunk. Donc là, Caillou, il a réalisé... C'est de la merde, la Sulium d'ailleurs. Voilà, je sais que c'est de la merde, merci. Donc c'est la Sulium Dust, donc vous savez, c'est la Soul Dust, vous utilisez de la Soul Stone que vous passez dans le four et qui va tout simplement être utilisée et transformée en Soul Dust. Hein, vous la mixez ensuite avec du Prudentium pour obtenir du Sulium Dust. Ensuite, vous en obtenez un lingot et ce lingot, donc vous pouvez faire une Soul Dagger avec le Mystical Stick, c'est un bâton avec du Prosperity Shard. Voilà, donc ça, c'est ce qu'a fait Caillou. Et donc en fait, en fumant des zombies, eh bien, vous allez pouvoir tout simplement obtenir des zombie chunks. Le zombie chunk, quand vous l'utilisez, si vous le passez dans le four, vous obtenez un tier 1 mob chunk. Et ensuite, pour les améliorer, bah, vous rajoutez juste des essences. Et au fur et à mesure, vous faites les updates. Et à chaque fois, vous pouvez les transformer, obtenir des skeleton chunks, creeper chunks. Et donc, du coup, on peut obtenir les loots de ces mobs-là. C'est comme ça que fonctionne Mystical Agriculture, vous connaissez aussi. Donc, ça, c'est la chose que Caillou est en train de réaliser pour l'instant. J'ai fini ça. C'est bien les power cells de RF Tool qui se combinent bien entre elles. Ouais, merci, merci. Et du coup, continuons un petit peu. Donc, du coup, voilà, on a fait tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, évidemment? Donc, ça, c'est les résumés des épisodes. Pizza. Alors, Gigi qui est en train de repartir sur la pizza, ça tombe bien, on a faim. On a faim, on n'a plus rien. Bah, t'as déjà ce qu'il faut dans le... Impeccable. Avec la télécommande.
on va reprendre le boss de Abyssal Craft. Donc j'ai l'invocation pour affronter le boss. Mais avant cela, maintenant qu'on a accès au Supremium, il y a un truc que je voulais me faire. Eh bien, c'est tout simplement le Supremium Bow. Donc ça, c'est ma mission, me faire un petit Supremium Bow pour avoir quelque chose de plus puissant et pour l'enchanter aussi, hein, pour que ce soit plutôt sympathique. C'est vrai qu'on a les charmes de triple shot aussi, j'avais pas vu. Oh, il y a le triple shot. Oh, alors lui, un Supremium Bow avec triple shot, ouh, la violence. Là, il y a Quick Draw aussi. Quick Draw, increase your bow draw speed. Ça, c'est pas mal aussi. Hein. Ça demande juste du Supremium. En vrai, ça peut être pas mal. Pour l'instant, on va juste faire l'arc. Donc l'arc, les deux trucs là, ici, c'est chiant. Ah, il y a le Mystical Strings aussi. Oh, il va me falloir beaucoup de prospérité. On en avait pas beaucoup. Donc, on va voir... Je l'ai dit que c'était de la merde. Ah oui, c'est de la merde. Ouais. Ça, tu me l'as pas montré aussi, celui-là? On ne l'a pas montré. Le tier 1 du Void Miner. En fait, Caillou avait besoin de végétaux, etc. Et donc, il a fait le Botanic Miner. Vous vous rappelez, on en avait vu. Donc, le Botanic Miner, qui récupère donc la faune et la flore. Regardez, il y a tout, en fait. Enfin, c'est surtout la flore. Regarde-moi ça, tout ce, ça drop. Ça drop même des trucs qu'on a, on n'a pas de skin dessus, t'as vu? Ouais, il n'y a pas de skin, ouais. Blue Slime Sapling, etc. Ok. Donc, il drop un peu tout ce qui est lié au monde avec les mobs, c'est-à-dire tout ce qui est plantes, arbres, pousses, fleurs, etc. Donc il a fait ça aussi, et du coup... C'est quasiment impossible de l'orienter avec une laser lens de bonne couleur. Hein. Ouais, bah oui, j'imagine. En mode, aucune laser lens pour le... Ouais, donc lui, c'est, en fait, c'est freestyle, quoi. Lui, il te chope toutes les herbes de la région, point, quoi. C'est ça. Et moi, j'avais juste besoin d'une herbe de chaque slime, là. Voilà, donc là... J'ai galéré à avoir la slime violette. Donc voilà, donc slime... La slime violette, la slime orange et la slime verte, voilà, qui ont été réalisées. Je sais plus pourquoi t'en avais besoin d'ailleurs, mais voilà. Le slime violet, c'est pratique pour d'autres choses. Voilà, et qu'est-ce que je disais donc, Applied, juste ici, voilà. On a Applied. XP. On a accès avec le ME Security Terminal, on n'a pas fait encore de console. Derrière le moulin à eau, il y a un truc pour tu marches dessus et l'XP, elle disparaît dedans. Ok. Et j'en ai 60. On peut voir alors par number of items, c'est assez rigolo. Number of items, voici les résultats un petit peu de ce que l'on a en termes de faire. Mais encore, c'est pas lui qui a le plus gros truc. Hein. Les minerais, c'est plus. Regardez Simple Storage. Dans Simple Storage, regardez les minerais que les Void Ore Miner. Hein, ça fait une semaine qu'ils tournent. Alors, pas toujours, mais que quand Caillou est là. Mais déjà, ouais, 323 000 de. Ça bourre pas en fait. Le problème, c'est qu'on a eu pas mal de fois où le système a bourré parce qu'il y avait trop d'une denrée et du coup, ça bloquait tout le système. Donc voilà, donc on a quand même voilà, une grosse quantité maintenant, 237 000, 198 000, etc. Hein, le truc, il a tourné toute la semaine, donc en vrai c'était plutôt efficace, hein, ça clairement. Il est possible que j'ai supprimé à peu près 4000 stacks de charbon avant le live. D'accord. Voilà, mais par contre on a moins de lag, donc c'est plutôt pas mal. Donc 3, ça c'est bon. Ensuite, alors tu m'as dit que t'avais du Supremium dans la fonderie, c'est ça? Pourquoi t'en as mis dans la fonderie, toi, d'ailleurs? Coucou, Peg. Quand j'ai voulu faire l'épée en soulium parce que la dague c'était pourri, je me suis dit, je vais faire une lame en Supremium, elle tapera fort. Sauf qu'en fait, il faut que le soulium il soit sur la lame, donc c'était pas possible. Ah, il y a deux lingots. Ah, bah c'est j'ai nickel. J'ai mis les lingots dedans. Ah, c'est tellement nickel en fait. Ouais. J'aime beaucoup, moi. Attends, il va partir où le lingot là? Bah nulle part, il va rester dedans, tu vas le ramasser. Ah, t'as pas mis d'entonnoir pour celui-là? Ah bah c'est parfait. Celui-là, non, celui-là c'est le truc manuel. D'accord, bon. Bah ça nickel, bah du coup je te taxe les lingots, c'est parfait. Et donc du coup, ensuite pour le Supremium Bow, alors là on va faire le truc le plus chiant par contre. Parce que voilà, il y a tout un petit truc à faire. Bon, maintenant les loots, c'est impressionnant, mais bon, on a tout ce qu'il faut en vrai. Il va juste nous falloir le lingot base essence. Oui, deuxième, troisième, quatrième. Et le dernier, Supremium. Hop là! Et voilà! Donc, on a de quoi faire notre arc. Normalement, l'arc en Supremium est fait. Let's go! Ah non, pas le unit, mais c'est juste à côté, c'est vrai. Ouais, parce que j'avais pas montré ça. Mais pour la farm, ici, en fait, il a fait ça en unit parce que je lui ai dit farm des wizards, mais du coup, il nous fallait des trucs wizard-proof. Et la unit qui vient d'Environnemental Tech, hein, qui est farmé justement par les ore miners, le ressource miner, je crois. Je sais plus si c'est. Les deux, je crois, les deux. C'est le void miner. Tu peux en faire des blocs et ça, c'est wizard-proof. Donc, ça, en fait, le wizard peut pas exploser ce truc-là. Donc, ça, c'est très. Il n'y a pas que lui, il y en a d'autres. Il y a le pionite qui est de rang inférieur, si je dis pas de bêtises. On est sur. Ah oui. Ah. Voilà, donc ça, c'est plutôt pratique aussi. Du coup, pour les enchantes, voilà, Unbreaking, Power 4, Power 5, mais alors eux, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On les enlève? Oui, tu prends les arcs qui sont là, tu les mets dans celui qui c'est là, et ça te rend des arcs non enchantés avec les Mais du coup, moi, il faut que j'aille les enchanter moi-même, en fait.
Mais non. Cette machine-là, elle les enchante. Ah, là. C'est elle qui les enchante. D'accord. Eh oui, c'est pour ça qu'il y a des trucs enchantés dedans. Ah oui, oui, je me posais la question. Ouais, t'as puissance. Power 4 mending, power 4 unbreaking. Power 4. T'as un power 4 en vrai, si je mets un power 4, c'est pas mal, hein, sur... On peut peut-être avoir un power 5, remarque. Ton but, c'est pas le power, arrête. Ah, power, si. Mais non, ton but, c'est l'infinity. Oui, infinity, mais bon, si je chope le power en plus, c'est bonus quand même. Power 3. Infinity, c'est bon. Ah, mais Curse of Vanishing et Unbreaking 3. Oh, le bâtard. Mais alors, on s'en fout. Ah, il les sépare. Mais oui, il te fait un livre à chaque fois. Ok. Ah bah, j'ai un infinity tout seul, là. Voilà. Parfait. Il te fait les livres à part. Hein. Ouais, bah, c'est nickel. Ok, j'ai l'Infinity. Je vais rallumer la machine qui va générer de l'expérience. En théorie, ça devrait fonctionner. Power 4. Voilà, on a deux Power 4. Un Infinity. Ah, mais j'ai pas encore un Power 4 ici, je suis con. Alors, déjà, on peut mixer deux Power ensemble. Voilà. Ensuite, Infinity. Power 5. Déjà, c'est pas mal. Et ensuite, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va... alors, la Tinkering Table. Tinkering Table. Ah, elle se fait comme ça, elle. D'accord. Ah, elle peut se faire en Insanium. Ah ouais, mais c'est cher. D'accord. Elle fait 31 de dégâts. Oh, là, tu mets Strength 2, elle fait 41 demi-cœur de dégâts, quoi. La violence. D'accord. Ouais, c'est ça à quoi elle sert. Alors par contre, combien je sais pas si le fait d'avoir une Tinkering Table plus violente ou pas, ça change quelque chose. J'ai pas l'impression. Hein. Bah, si les crafts sont les mêmes, à mon avis, t'as pas besoin de te compliquer la vie. Fais cool, la faire en Insanium. Alors non. Alors en fait, non. Parce que, bah non. Ouais. En disant c'est non, on économise problème, quelques heures. Un lingot, ça vaut toujours un lingot de toute façon. Oui. C'est pas le plus compliqué. Salut, elle est. Je vais aller prendre des pizzas. Je viens chez Gigic. Bonjour. Ah non, dans ta télécommande de Plaid. Elles sont chez Oplaid maintenant. Elles sont chez Oplaid. Ah oui, je lui ai donné une télécommande à elle. Ah ouais, tu lui as donné à elle, mais pas à moi, quoi. Ah ouais, d'accord, je vois le favori. Non, parce que c'était toi qui étais censé me fournir une télécommande de craft, donc voilà. Ah ouais, bah moi, je t'ai donné la réponse. Une vraie réponse, hein. Il me dit jamais merci, mais bon, je lui ai donné plein d'astuces pour plein de craft, hein. Mais bon, à chaque fois, moi, voilà. Moi, c'est naturel, monsieur Darkhaven, il présente les modes. Donc, normalement. Il déplace. Hein, Darkhaven, lui, il fournit ses modes, donc c'est sa fonction première. On ne le remercie jamais. Hein, et j'attendais des crafts. Hein, bah, il y en a plein des crafts. Je suis persécuté. Y'a quoi les pizzas? À vue de nez, là, comme ça, j'aurais dit peut-être. Chorizo, fromage et chorizo. Ouais, peut-être un petit fromage chorizo ou jambon, au choix. Y'a pas quelqu'un qui peut servir de cobaye là? Allez, tiens, un caillou! On va venir lui livrer demain. Caillou, il me persécute. Je vais chasser le caillou. Tu me tires dessus, je te défonce. Hey, bah pourtant, les bruits de Discord, j'ai envie de te dire que caillou se mute entre deux quand il parle pas, donc tu dois pas. Ouais, quand j'y pense, ouais. Ah. Caillou! Moi, je les entends plus. Hein. Non, ça dépend. Ouais. Caillou! Arrête, je vais faire un test, caillou. Ouais, mais moi je veux pas mourir. C'est quoi ce crème au sol là? C'est drôle de truc là. C'est de la terre. Parce que j'ai plus de place dans mon inventaire. Hey you. Mais... ça va pas te tuer hein. Je veux juste voir combien ça t'enlève de vie. T'as 48 de vie, tu vas pas mourir. Ça t'a rien fait. Bouclier. Oui, c'est maintenant, j'étais en train de me protéger avec mon bouclier. Ah, c'était un bouclier. Non, mais sans bouclier. Ah. Mais quand même. Ah, c'est bien quand même hein. Je t'ai entamé une vingtaine de cœurs là. 39. Ah ouais, 39. Presque 20 cœurs. Ah, c'est bien. C'est universellement contre les cailloux. Mais c'est pas grave, moi aussi il me persécute. Donc il s'est déjà mangé deux pizzas d'un coup? Non mais c'est dingue ça. Mais attends. Jamais 203. Oh là 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 là. Les bonnes pizzas. Alors moi qui étais content d'en avoir fait 111, bah, je vais être obligé d'aller en refaire. Ah oui. Mais en même temps, c'est bien. Sinon, on sera en mode bon, bah Gigi, qu'on a plus besoin de toi. C'est de la daube, lui, il les crame, ces pizzas. C'est nul. Moi, je les optimise. J'attends d'avoir vraiment la dalle pour bouffer les pizzas. Ouais. Et oui, il faut que je regarde si j'ai pas quelque chose qui nourrit encore plus.
Musique musicale ? Ah oui, c'était musicalement correct, oui. Oui, oui, tout à fait, ouais. C'est... Ah, non, bon, ça bah, ce sera pas aujourd'hui que nous l'entendrons, Peg. Oh, mais tu vois, parce que t'as pas entendu la musique, c'est ça ? Bah non, j'ai pas entendu la musique, ouais, moi. D'accord. Bah, tu verras un moment. Pour écouter la musique. La musique, voilà, hein, c'est une musique comme n'importe quelle autre musique. Je veux dire. Alors, nous allons faire un charme, normalement. Normalement, on fait un charme. Avec la Tinkering Table. Alors, ah, mais du coup, faire un charme. Ah ouais, bah ouais. Ils font un blanc charme. Ah, il faut du Prosperity partout. Ah non, mais on va crever. Ah ouais. Mais ça se récupère pas, ça ? Bah, le Prosperity, c'est. En fait, on en a crafté, mais c'est vraiment chiant et on a. Bah. Il en reste combien là ? 54. 50. Ça passe, 54. Ça passe. Ça peut le faire. Alors, déjà, on va faire ça. Hop. Alors, tu dis que c'est chiant. Oh. Nanananana. Ouais, on va prendre Quick Draw plutôt. Hein. Oh, c'est des pommes intermédiaires. Attends. Ah ouais. Ok. Je crois que les pommes c'est facile. Ouais, ça va les pommes, ouais, ça va. Je vous ai vu aller sur la lune, je vous ai vu. Ah oui, la lune, oui, 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 la lune, oui, 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 la lune. Ah oui, la lune, on l'a vu, oui, on l'a vu. Hein. Comme le plombier, on l'a vu, hein, grosse lune, hein, je reviens. Mais alors après, on a vu c'est Mars. On a vu un peu Mars, ah. On a dévié sur Jupiter un moment, puis après, alors là, vitesse lumière, on a tout siphonné, Caillou, c'est devenu un dieu, il y avait de la lumière, de la musique, et tout d'un coup. Il est passé en mode créatif. Tout d'un coup, il est passé en créatif et hop, on a eu une fusée tier 8, on est passé sur Neptune et tout, on a fait waouh, extra planète, c'est incroyable. Les viewers qui avaient voté, tout ça, tout ça. Salut Astral, et tout ça avec la puissance des viewers, évidemment. C'est là. Chiant, ouais. Ouais, c'est bon, je l'ai fait. Hop. Voilà. Et voilà. Et là, maintenant, on a Quick Draw Power 5 Infinity. Waouh, quel plaisir. Donc là. Ah, c'est pas mal. Je vais le taper, hein, je vais le taper. Quoi ? Je t'ai pas tiré dessus ? Non, mais je sens que tu vas avoir envie de le faire, alors... Ah non, mais je m'appelle pas Clément, moi. C'est ça que pas les gens sans raison, hein. Alors, c'est bon, on a tout, le boss est prêt, t'es prêt, viens, on va se battre.